Bonjour, je suis Susanne Ochoa. Bienvenue à La Beauté du Vin. Bonjour, ici Lucette Loutier. On est au Manoir Montmorency cette semaine. D'ailleurs, d'entrée de jeu, notre capsule se passe du côté de l'Ange Gardien. On va aller faire un tour du côté du domaine de l'Ange Gardien. Par la suite, on revient avec Susanna qui va nous parler de la France cette semaine. La France! Je vais pratiquer la Marseillaise durant le reportage. Oui, en fait, le domaine Ange Gardien a démarré ses opérations en 2004. En fait, ici au domaine, il n'y avait absolument rien. Donc, on a planté, dès cette année-là, on a planté environ 10 000 plants de vignes ici au domaine d'Ange Gardien. On a fait des rénovations complètes dans un vieux corps de ferme ancestral qu'on a tout réparé, rénové. Donc, on a parti ce projet-là. On était 4 fondateurs à l'époque. Et pendant un nombre d'années, on a travaillé à développer, planter, aménager, jusqu'à la construction du bâtiment d'accueil où nous sommes présentement, qui, lui, a été faite en 2014-2015. En 2012, nous avons acquis la terre du Petit Pré, l'ancien vignoble de Petit Pré qui avait cessé ses opérations. Donc, ces années-là, le nombre de vignes sous exploitation a doublé. Donc, avec le temps, les vignes ont pris de la croissance, on a fait quelques changements de cépage pour arriver aujourd'hui avec tout près de 20 000 plants de vignes sous opération. Tout à fait, la production a augmenté et également la production est allée de pair aussi avec la commercialisation parce que un vignoble, c'est un défi, c'est plusieurs défis en même temps. C'est un défi de culture, c'est un défi commercial également assez important parce que c'est pas tout de fabriquer, il faut vendre. Et on sait que les produits du Québec, on était pas mal dans les précurseurs. On a travaillé très fort pour développer l'industrie, puis beaucoup de choses se sont mises en place au cours des dernières années qui ont favorisé l'émergence des produits du Québec et des vignobles comme le domaine de l'Ange Gardien. En fait, c'est intéressant, c'est que définitivement, au fil des années, l'achalandage autour du vignoble a augmenté bon an, mal an. D'abord, il y a la réputation qui se construit au fil des années. Les gens viennent et reviennent. Nous avons beaucoup de touristes. Les gens nous regardent dans les répertoires puis nous viennent nous voir. Ils apprécient beaucoup l'accueil qu'on leur donne. On reçoit depuis quelques années, on sait que la région de Québec a beaucoup, de plus en plus de croisiéristes qui viennent. On reçoit autour d'une cinquantaine d'autobus chaque année. Les gens viennent découvrir, viennent déguster nos produits. Donc, tout ça va de pair avec le développement de l'agrotourisme, puis particulièrement à l'automne où c'est le temps fort. Donc oui, effectivement, là, il y a un engouement de plus en plus fort. Et il faut le dire aussi avec une amélioration de la qualité des produits. Oui, tout à fait. Ici, au vignoble de domaine de l'Ange Gardien, quand on a construit les installations, c'était vraiment prévu dans notre plan de match de dire « on va attirer les gens chez nous ». Donc, on a construit une salle polyvalente qui peut construire entre 50 et 100, qui peut contenir entre 50 et 100 personnes, dépendamment de l'événement. On fait des cocktails corporatifs. On a beaucoup de mariages ici, on a de la formation qui se fait, on est équipé pour recevoir les gens. Donc, de plus en plus, là, les gens nous découvrent, ils nous redécouvrent et reviennent. Donc, c'est intéressant comme achalandage. Oui, bien en fait, c'est ça, c'est que nous, on a plus d'une dizaine de produits que l'on commercialise. On a des produits liquoreux, genre style Porto blanc, vin blanc fortifié, vin rouge fortifié. On a du cidre de glace. Évidemment, on fait du cidre de glace parce qu'on a 300 pommiers également. On est dans le vin rosé. On a le vin rosé plus le vin rosé mousseux. On fait une production quand même limitée, principalement pour nos activités ici à la salle de réception. On est dans le blanc. On a vin blanc sec, vin blanc demi-sec en production. On a également fait, depuis 2018, on a fait une production spéciale en collaboration avec le Château Frontenac, sous étiquette privée, dans le cadre de leur 125e anniversaire de fondation du château. On est dans le rouge également. Au fil des années, on a participé aussi à différents concours. Donc, on a gagné des médailles à Finger Lakes, à Coupe des Nations, différents produits. Aspect important aussi au niveau de l'industrie, aller jusqu'à cette année, on avait ce qu'on appelle les vins du Québec certifiés. Bon nombre de nos produits au vignoble étaient vins certifiés du Québec. Maintenant, toute l'industrie du Québec dans le domaine des vins est en train de migrer vers ce qu'on appelle les indications géographiques protégées. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau,
qui est une forme de contrôle de l'industrie. Et le vignoble, on est en train d'obtenir la certification IGP. Donc, c'est une gamme additionnelle de reconnaissance de l'industrie. La commercialisation demeure un défi pour tous les vignerons du Québec, ça c'est clair. Depuis 2 ans, on a la possibilité, avec la réglementation qui a changé, de vendre en épicerie. Donc, cette possibilité-là de vendre en épicerie a fait en sorte que ça a amené beaucoup de nouveaux débouchés. La SAQ, c'était quelque chose qui était possible. Nous sommes dans la SAQ avec 2 produits. Mais comme on est en compétition avec des milliers de produits sur les tablettes, c'est un peu plus difficile. Ça fait que l'ouverture en épicerie a représenté un excellent débouché. Et on a pu le voir là, au cours des 2 dernières années, une augmentation constante de la consommation des produits du Québec. En les rendant accessibles aux consommateurs, bien, c'est beaucoup plus facile, évidemment, si on a la possibilité de s'en procurer plus facilement. Donc, définitivement, cette ouverture-là a favorisé beaucoup l'émergence. Et depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, on voit que plusieurs vignerons du Québec ont augmenté leur plantation pour répondre à cette demande-là. Écoutez, les vins du Québec représentent peut-être 2 % de la consommation potentielle. Donc, il y a beaucoup de place. Puis l'amélioration des produits va de pair avec cette augmentation de la commercialisation. Alors, nous voilà revenus de cette capsule du domaine L'Ange Gardien. On retournera d'ailleurs plus tard dans l'émission pour une 2e capsule au domaine de L'Ange Gardien. Maintenant, Susanna, tu vas nous parler de la France. Oui, c'est ça. Donc, la France, c'est un des 3 pays les plus importants pour le vin, pour l'élaboration et la consommation de vin. C'est la France, l'Italie et l'Espagne. Au Québec, on aime beaucoup les vins italiens, mais c'est la famille en plus, les Français. Mais tu sais, Michel, que quand les Grecs sont arrivés à la France, il existait déjà des vignobles. Par contre, rien n'était bien établi, bien organisé encore. Ce sont les Grecs qui sont arrivés à la France. De la Grèce à l'Italie et puis à la France. Et les Grecs ont commencé à explorer le territoire français dans le sud, dans une ville qu'ils appelaient Massilia. Massilia, qu'aujourd'hui c'est la Marseille. Ah, c'était la ville de Marseille. Oui. Donc, c'est vraiment vers. Ils sont arrivés par le sud, évidemment, en passant par l'Italie, oui. La Grèce. C'est sûr qu'on arrive vers le sud à ce moment-là. Oui, c'est d'accord. Ça. Et après, ils sont remontés dans la vallée du Rhône pour explorer et exploiter la région. Ils ont commencé à créer des comptoirs commerciaux. Okay. Donc, quand les Romains sont arrivés à la France, il y avait déjà des liens commerciaux et parmi les marchands. Là, et des liens qui étaient déjà donc établis. Oui. Il y avait déjà comme un réseau de commerce pour pouvoir oui, vendre les produits. Tout était déjà organisé. Et bien sûr que les vins étaient inclus dans les liens commerciaux. Quand les Romains sont arrivés à la France, les Romains ont apporté leur cépage et leur savoir-faire. À la chute de l'Empire romain à 476... Et tout le monde sait que la chute de l'Empire romain, c'est grâce à Astérix et Obélix. Non, c'est pas tout à fait ça, mais quand même. Mais il va pas du vent aussi. Bon. Oui, oui, oui. Bon, après la chute romaine, c'est les religions, les moines françaises qui ont pris la relève. OK, donc oui. les moines se sont occupés de continuer la production du vin. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait une messe à donner, à faire, donc il y avait du vin à prendre pendant la nuit. Ça devait faire du bon vin de messe. Oui, c'est ça. Donc, ça. Et les moines françaises qui ont commencé, qui ont pris la relève du travail du vignoble, la vigne et le vin. Dans l'histoire française, les religieuses, les moines, sont vraiment une clé importante pour le vin. Dans le siècle XIII, il y avait déjà un contrôle, une
inspection de fraude, il s'appelle comme ça, dans le siècle XIII, parce que les vins étaient tellement appréciés avant et aujourd'hui. Alors déjà, au 13e siècle, ouais. On commençait en France à avoir des processus d'inspection et de vérification de la qualité des vins. Oui, 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 pour l'élaboration, la qualité oui. Et la vente également. Alors. Dans le siècle XVIe siècle, il avait déjà un corps de jurés, de vendeurs de vin, que c'était une sorte de police. Oh! La police oui, du vin! Oui, oui, exactement, d'accord. La police du vin. Mais c'est une notion qui existe encore dans la législation AOC, appellation d'origine contrôlée. Ça existe encore. À la France. Ça origine du 16e siècle, les appellations contrôlées. Intéressant. Oui, la législation des les corps de jurés et vendeurs de vin, la police de vin, si on va l'appeler comme ça. Donc, depuis le 6e siècle, la police de vin existe et encore. Encore présent. La consommation moyenne de vin oui. Français, oh. C'est des c'est les grands consommateurs? À peu près 46 litres ouais. De vin. Pas pour une personne? Par personne. Par personne? Par année. Oui, c'est bien ça. Et les Français sont fiers de ces produits, sont fiers de vin français. Donc, plus de 90% de vin français sont bu. Ou sont pris, sont consommés à la France. Ça fait des beaux 14 juillet. Oui, 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 oui. Donc, la production en AOC, appellation d'origine contrôlée, c'est 55% pour les vins rouges, 25% pour les vins blancs, 10% pour les vins rosés, et 10% pour les vins mousseux. Les vins comment? Mousseux. Laissez faire votre. Ah, les mousseux! Les mousseux, oui. Comme le champagne, par exemple. Par exemple. Ah, oui, d'accord. Par exemple, le champagne. La superficie de vignoble français, c'est d'environ 840 000 hectares aujourd'hui. Oh! Aujourd'hui. C'est du terrain, ça. C'est oui. Du terrain. Alors, le jour de gloire est arrivé, disent les Français, et on va justement parler dans le bloc qui s'en vient. On était du côté du Salon du vin de Québec. Ben, en fait, oui. Susanna, vous étiez du côté du Salon international des vins de Québec. Et vous avez parlé avec une vignoble de la France, Mme Jean-Jean. D'ailleurs, on a un de ses vins ici là, qu'on aura l'occasion oui, peut-être ça, de parler tout à l'heure. Oui, du sud-ouest de la France, donc on va le présenter tantôt. Excellent. On va écouter ça. On s'en va du côté du Salon du vin. Brigitte Jean-Jean. C'est qui ne connaît pas Brigitte Jean-Jean et le domaine Le Pivet, la reine du sud-est de la France? Brigitte, dis-moi donc, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Alors, je vais vous présenter le nouveau, le Pivet. Hein. Il y a beaucoup de Québécois qui aiment ce produit. Mm-hmm. Donc là, on a changé uniquement l'étiquette pour cette année. Mais le nouveau venu à la SAQ cette année, c'est le Pivet blanc qui va arriver sur les tablettes. Donc ça, c'est fait sur le même domaine que le Pivet, mais c'est du blanc. Et vous avez trois cépages qui sont le Viognier qui va vous donner cette fraîcheur sur le fruit. Puis après, vous avez la Roussanne qui va vous donner ce côté gras et le Sauvignon qui va vous donner ce côté d'acidité. Voilà, l'acidité. Dis-moi donc, Brigitte, donc le Pivet, et pourquoi le Pivet? Pourquoi ça s'appelle le Pivet? C'est un petit oiseau, le Pivet, qui se trouve en Camargue. Vous savez que le domaine de Pivet, c'est 47 hectares qui se trouve en Camargue, avec un sol qui est le sable. Le terroir, c'est du sable. Et en dessous de ce sable, il y a l'eau de la mer. Et parfois, l'eau de la mer, elle remonte et elle nous tue les ceps de vigne. Parce que le sel nous tue les ceps de vigne. Donc, pour éviter ça,
tout autour de la propriété, on a ce qu'on appelle des roubines avec de l'eau douce. Et deux, trois fois par an, on inonde le vignoble pour repousser l'eau de la mer. C'est pour ça que vous sentez dans le pive gris ou bien le pive blanc ce côté salin, un peu cette salinité au niveau quand vous dégustez le produit. D'accord. Les pivets gris, mais au fond c'est un rosé. Mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle le gris? Parce qu'il y a des cépages gris et c'est la couleur, elle est grise, enfin, elle est un peu plus grise. Parce que le rosé, il est un peu plus foncé et là, la couleur, elle est grise. Je vois que aussi. Il est biologique depuis 2011, absolument. Vous travaillez beaucoup en bio, hein? Voilà, sur les 8 vignobles que nous avons en Languedoc, nous sommes sur les 8, nous avons 5 en bio et 3 en conversion. C'est-à-dire dans 2 ans, les autres produits seront biologiques. Mais sur les 8, ça fait on a 8 vignobles qui représentent 200 hectares. Et sur les 200 hectares, on en a 5 qui sont en bio. Vous êtes quelle génération? La 5e. La 5e. Voilà, moi je fais partie de la 5e génération d'une famille de vignerons depuis 1870. C'était mon arrière-arrière-grand-père qui avait créé les vignobles Jean-Jean en 1870. Et depuis quand est-ce que vous êtes ici au Québec? Alors depuis longtemps, parce que le premier produit qu'on a fait venir au Québec, c'était le millésime 97, c'était le Deux Voies des Agneaux en rouge, qui est un Languedoc. Vous nous montrez la bouteille? Bien sûr. Qui est une propriété qu'avaient acheté mon grand-père et mon arrière-grand-père en 1936, où on est sur une butte légendaire. On a 1000 hectares de propriété entourée de garrigues. Et sur ces 1000 hectares, on a 15 hectares de domaine où on fait le Deux Voies des Agneaux, qui est fait à base de Syrah, qui vous donne ce côté épicé, et 80% de Syrah et 20% de Grenache, qui vous donne ce côté gras. Le Grenache, c'est plutôt un cépage qui vous donne du gras en bouche. Mais on travaille toujours dans la culture bio. Absolument. Mais celui-là, il est en conversion et il sera bio dans 2 ans. Merci beaucoup, Brigitte. C'est un plaisir. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, nous voilà en revenu de ces entretiens du côté du Salon du vin. Merci beaucoup, Susanna. Très intéressant. Madame Jean-Jean, d'ailleurs, on aura l'occasion de parler de la région d'où provient son vin dans quelques instants. On continue avec la France. On va parler des régions, des cépages. Mais on va également parler un peu de l'histoire des vignobles qui n'a pas toujours été évidente en France. Oui, c'est ça. À la France et à l'Europe également. Et l'histoire des vignobles de la France ainsi que de l'Europe a été marquée par des situations très spéciales, par exemple les invasions romaines, par exemple les religions, les moines, oui. Par exemple la phylloxera. La phylloxera, c'est un parasite ça qu'il y a eu dans les vignes. Bien, c'est un flot, c'est une maladie, si tu veux le voir comme ça, là, que cet insecte est venu s'attacher à la vigne, il a commencé à l'exterminer. Oh. Oui, il a commencé à exterminer les vignobles de partout au monde. Il a commencé à le faire, et puis partout, ça s'extend partout. Ça s'attaquait à la plante, ça faisait mourir la vigne. Oui, donc. D'accord. Phylloxera. Le phylloxera, oui, c'est ça. Et également, la guerre, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, ils ont détruit des vignobles, la production s'arrêtait, et pas ça. Bon, mais heureusement, aujourd'hui, tout est correct. Donc, on parlait de cépages. Dans la France, on va diviser la France en deux parties, OK? Du centre en haut, du centre en bas. Donc, du centre en haut, c'est très populaire pour faire le vin blanc en monocépage. Un seul cépage, par exemple, à l'Alsace, le Riesling. La maison est belle à 40 ans. Ici, au Québec, ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans que les produits Bayer sont introduits au Québec. Exactement. Un produit de la France. Exactement. Oui. Par contre, Marc Bayer, le propriétaire aujourd'hui, et sa fille Anne-Sophie, la 14e génération. La 14e génération. Donc, on est rendu à la 14e génération de la famille Bayer à opérer le même vignoble, là, finalement. Oui. Ah, c'est intéressant. Il existe des livres en la France de 1580 qui parlent déjà de la famille Bayer. Oui. Donc, quand on parle d'entreprise familiale qui dure. Bon, donc, du centre en haut de la France, du centre au nord,
blanc est monocépage le plus populaire du centre. Au sud de la France, les rouges en assemblage sont très, très, très populaires. L'assemblage, c'est la combinaison des cépages. De plusieurs cépages, de plusieurs, plusieurs types cépages, de raisins qu'on met ensemble. Plusieurs. Oui, oui, okay, oui, oui, c'est ça. Donc, pour avoir quelques cépages, quelques régions, l'Alsace, les Riesling en blanc, les Riesling, et les Pinot Gris, les Pinot Blanc, les Gewürztraminer, les Sylvaner, les Pinot Noir en rouge. À la Bourgogne, c'est très populaire, les Chardonnay et la Ligotée en blanc. Les Pinot Noir, les Gamay en rouge, que tu aimes les Gamay en plus. Oui, oui, oui. À Beaujolais, hein, à Beaujolais, les Gamay. Et nous avons également et les Chardonnay dans les Jura, par exemple. Et nous avons la vallée du Rhône qui est ici. Des différents cépages, les Mourvèdre, les Cinsault et la Syrah, par exemple, la vallée du Rhône. Pour la Provence, le sud de la France, les Languedoc-Roussillon, le sud-ouest également, et Mourvèdre, Cinsault, les Carignan, et toujours en assemblage. C'est très, très, très populaire. La Marsanne, la Roussanne en blanc, par exemple. Et la Champagne. Oui. La Champagne est élaborée avec du Pinot Noir, du Pinot Meunier et de Chardonnay. Il y a plusieurs cépages à l'intérieur du Champagne. Du rouge en blanc. Et l'appellation est contrôlée. C'est pour ça que la plupart du temps, on doit dire un mousseux, pas un champagne, lorsqu'on parle d'un vin qui ne provient pas de la région de Champagne. Si ça vient de Champagne, c'est un champagne. Exact. Et il y a une région aussi très, très intéressante. Les tanins. As-tu écouté les cépages tanins? Oui. Oui. C'est un cépage assez puissant. Un peu plus, assez plus corsé, oui, 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 qui nous donne des vins assez corsés, puissants, structurés. Et les Malbecs également, les Négrés dans le sud-ouest de la France. Dans Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, oui. Merlot, Malbec, Petit Verdot. Et en blanc, les Sauvignon Blanc et les Sémillon. Donc voici quelques exemples de cépages. On n'oublie pas la Loire, le Valais de la Loire, Pinot Noir, Pot Gamay, les Cabernet Franc en rouge et en blanc, les Sauvignon Blanc, les Melons de la Bourgogne, les Chenin Blanc. On fait beaucoup d'émotions également. La France est très importante parce que les terroirs varient différents. Les types de sols différents de partout à la France, les climats différents de la France. Oui, les climats océaniques, continentaux, il y a même un climat méditerranéen. Exactement, exactement. Notre climat méditerranéen pour méditerranéen. Madame Jean-Jean, d'ailleurs. Donc, tout seul, tous ces aspects, plus le savoir-faire, bien entendu, ça fait de la France une richesse en variété, en diversité de vins. C'est pour ça qu'on a des C'est pour ça qu'on aime beaucoup les vins français. La France est la France. On va d'ailleurs aller faire un petit tour cette fois-ci pour la deuxième partie de notre reportage sur le domaine L'Ange Gardien. Tout d'abord, on produit bon an, mal an autour de 30 000 bouteilles. Donc, la saison commence au printemps avec la taille de la vigne. C'est une opération assez importante où... qui dure de 3 à 4 semaines, où on a 6-7 personnes au champ qui préparent les plants pour une bonne pousse. Durant l'été, évidemment, on s'occupe de soigner nos vignes pour qu'elles nous donnent les meilleurs résultats possibles à l'automne, des beaux raisins avec beaucoup de sucre. Donc, c'est ce qu'on souhaite. À la fin de l'été, principalement fin septembre, début octobre, là, la période des vendanges approche. Donc, au vendange, c'est une opération qui est la plus agréable à faire pour les vignerons. Donc, les gens viennent nous aider. Il y a de l'activité aussi autour de l'opération vendange. Donc, on récolte le raisin sur une période de 3 à 4 semaines. Et ensuite vient l'étape, effectivement, de fabrication du vin, où on amène tout le raisin au chai pour presser le raisin et
débuter la fabrication, la transformation du vin selon les différents produits que l'on souhaite avoir. Évidemment, nous, on produit du vin blanc, du vin rosé, du vin rouge, tout ça selon différents assemblages. Donc, c'est une opération qui dure quelques semaines au mois de novembre avec notre maître de chais qui s'occupe de toute cette opération-là. Donc, en fait, dès le départ, quand on a lancé le vignoble, on a planté un certain nombre de pommiers. En fait, on a planté 300 pommiers pour fabriquer du cidre de glace également. Donc, c'est une production d'appoint. On avait l'espace, on avait tout ce qu'il faut. Puis, on a une production assez limitée, mais on produit un excellent cidre de glace, là, bon an, mal an. Chaque année, on produit ce cidre-là. Ben, en fait, c'est dès que le raisin arrive au chai que la répartition se fait dans les différentes cuves et le responsable de la transformation s'occupe durant la période hivernale à s'occuper à ce que le vin arrive à maturité en bon temps. Le premier produit disponible, souvent, c'est le vin rosé. Le vin rosé demande moins de temps. Dès le printemps qui suit la récolte, le rosé est prêt. Ensuite, le blanc va prendre à peu près une année avant d'être rendu disponible. Et le rouge va varier entre 18 et 24 mois et un peu plus. Donc, le rouge va faire de la cuve, mais également de la barrique de chêne pendant une certaine période. Bien, nos produits sont principalement... Le gros de nos ventes se fait ici au vignoble en tant que tel. Maintenant, évidemment, on vend dans plusieurs restaurants de la région de Québec. Depuis 2 ans, les vignobles du Québec peuvent vendre dans l'épicerie. Donc, on distribue également dans certaines épiceries de la région de Québec, des métros, des épiceries locales de plusieurs endroits. On fait également des festivals. On est présent au marché de Sainte-Foy durant l'été. On a également 2 produits disponibles à la Société des alcools, le vin blanc demi-doux et le vin rosé. Donc, dans certaines succursales, le produit est disponible. Donc, essentiellement, c'est le gros de notre distribution dans la région. Alors voilà, le domaine Lange-Gardien, ça complète cette émission La beauté du vin avec Susanna. Merci beaucoup pour cet épisode et on se voit prochainement. À la prochaine!